petite vidéo où je vais vous montrer comment j'ai ajusté donc les plaquettes en bois de serre que j'avais fabriquées pour ce Colt Lightning modèle 1877 en 38 long Colt. Donc globalement, ça va être vraiment une petite vidéo sur les finitions. Et puis c'est pas encore terminé, mais ça on en reparlera à la fin de la vidéo, puisqu'il y a un projet encore d'amélioration de ces plaquettes. Il faut encore que je travaille cette partie-là, que je la planisse un petit peu. Et il y aura une petite incrustation à l'intérieur. Je pense que ça peut vous intéresser. Bonjour les amis, donc je pense que vous allez finir par en avoir marre de le voir ce Colt. En tout cas, Alaska, elle en a pas marre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je vais agrandir ce trou-là de façon à ce que cette vis-là rentre dedans exactement comme celle-ci. Là, vous avez peut-être dû voir la différence avec avant. La tête de vis, elle est chromée et non pas couleur laiton. Pourquoi? Parce que en fait, c'est de la peinture. Ça s'en va. Voilà, donc je vais le finir aussi de ce côté-là. J'ai un petit peu atténué ceci pour que ça ressemble plus à ceci. Et il y a une surprise qui va arriver bientôt et qui va, je pense que vous allez comprendre, se mettre ici. Et voilà, je pense que vous avez tous compris ce que je suis en train de faire. Donc j'agrandis le trou de cette plaquette là pour y faire rentrer la vis. Voilà, donc avec la technique que vous venez de voir, j'ai réussi à faire ceci. Donc là, il y a l'insert. Là, il y a la vis. J'ai poli le bout. Et j'ai plus qu'à la mettre dedans et puis ajuster un petit peu. Poncer un tout petit peu pour que ce soit le plus propre possible. J'en ai profité pour refaire les finitions et poncer un petit peu au niveau de l'épaisseur. Donc là, je pense que ça va être pas mal et je vais remonter. Ah, le bazar du remontage. Et voilà, le voici remonté pour la dernière fois avant sa dernière modification.
Donc voilà, la vidéo est terminée. C'est pas mal de d'anciens extraits. Donc vous avez dû voir les anciennes configurations d'atelier. Ce qui va se passer maintenant, c'est que donc il y a un abonné très aimable qui va m'envoyer, normalement, si tout se passe bien, des écussons Colt originaux que je vais incruster tout simplement ici. Et donc là, la vidéo sur celle-ci, j'avais sur ses conseils d'ailleurs atténué un petit peu cette partie-là pour être un peu plus raccord avec la couleur de ce bois. Donc j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. J'en referai une de toute façon à partir du moment où je recevrai les écussons et où je les incrusterai. Ce sera pareil, hein, ce sera que du travail manuel. Maintenant j'ai un tout petit peu plus de matériel, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez, l'établi est un peu en bazar, mais on a une partie ici, et puis hop, si on grimpe, on a celle-ci, mais je pense que vous l'avez peut-être déjà vue. Et donc, ici, c'est le poste à souder et le poste de bronzage. Vous voyez, là, il y a le gaisseur, je sais pas si la vidéo sera sortie entre-temps. Et là, tout ce qui est nettoyage. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je suis assez content de l'avancée de ce Colt, qui est une de mes pièces préférées, en tout cas pour ma petite collection. Je vais faire encore un petit plan de plus près. Donc ouais, le bois de serre, il y a vraiment ça un rendu incroyable, je trouve. Donc je vous remercie encore pour le visionnage et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. D'ailleurs, je vais vous mettre des schémas que j'ai trouvés sur les pièces du Colt. Et au début de la vidéo, vous avez normalement eu les marquages de mon Colt.